C'est bon. C'est bon, la boutique, elle est ouverte, les gars. Voilà. Je laisse comme ça, régalez-vous. Juste régalez-vous, fumez-moi la gueule. On a 1400 balles, on va racheter quand il faudra racheter. Allez, vas-y, t'as pris un classeur, toi? Dis-moi que t'as pris un classeur, t'as rien pris du tout. Petite merde que t'es. Qui devient désagréable avec ses clients. Allez, allez, bougez-vous le cul, là. Allez, venez acheter, là, venez acheter. Ouais, tu as raison, peut-être que je dois boire un petit peu d'eau au lit pour aller mieux, quoi. Putain. Ah, merci, heureusement que vous êtes là, vous êtes une vraie commu sympa. Carte bleue, ça marche. Ah, des petits decks, ça c'est quelqu'un, toi t'es super sympa. Allez, next, tu veux quoi? Une peluche sublime, j'ai bien fait racheter ces peluches, hein. Allez, suivant. Il veut quoi, lui? Allez, peluche, donne-moi ça. 138€, toi t'es un client fidèle, on aime bien. Allez, n'hésitez pas, tout est à plus 20% aujourd'hui. Mec qui comprend pas vraiment l'intérêt des soldes, quoi. Ok, tu prends ça. Ah bah c'est super, 94 balles, qu'est-ce que tu veux que je te dise, à part GG. Merci mon gars. Bon. Mais non, y a rien qui est cher, hein. Commencez pas à nous faire chier. On va se prendre un truc de peluche, hein. Les peluches, elles commencent à bien partir. Les étalages commencent à se vider un petit peu. Je me remets pas de cette session, les gars. 8 boîtes straight, pas une dingue. On est obligé de vendre des cartes à 10 balles, quoi. Vraiment pour dire. Hein. En vrai, tu peux mettre ta carte qui vaut 100 balles à 300 balles. Non, en vrai, ça passe pas. Ça passe jamais. Quand c'est trop haut, ça passe pas. On a déjà fait des tests et tout. Nous, on veut juste vendre au point où on en est. On n'en peut plus. On veut noyer notre chagrin. On prend un peu d'XP. Non, on est d'accord à chaque fois. Là. Tac, 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 tac. Là, je te rends 6. Ouais, 30 d'XP. En fait, faut mieux faire des ventes. Hein. Limite, tu gagnes plus d'XP pour les ventes. Hein. 17 d'XP, c'est autre chose que les 8 d'XP qu'on s'est tapé tout à l'heure. Allez, dégage. Même comme ça, à l'arracher, ça veut pas. J'essaye, hein, j'ai tout essayé, mais ça veut pas. Le roi de la sleeve. Je crois qu'il nous en restait une. Non, ça c'est autre chose. Allez, ça dégage. C'est calme aujourd'hui à la boutique, hein. Il se passe pas grand chose. Ouais, bon, on va en mettre 3. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est les decks. Hop, on va reprendre des decks rouges. Parce qu'on en a plus. Deck bleu, ça dit quoi? Ça reste encore un peu. C'est un peu malmené là au niveau des stocks. Ouais, frère, t'arrives pour ça, là, tu te fous de moi, quoi. Dégage. Ça, ces stocks là, faut que je reprenne du bleu. C'est Tiny Box. Non, mais le mec il vient pour une sleeve. Way! Ça, c'est bon. Ça, c'est du bon deck. 90 balles. 15 balles ici normalement. Toi, je te rends 8,50. Ok. Petite box Pikachu. En 15, ça encaisse un 8 d'XP. Tu m'étonnes, c'est incroyable. Hein. 6 d'XP, pff, merci, hein. Merci pour ce que tu nous donnes. Voyons voir. On a mis quoi dedans? Deck bataille de feu. On va mettre en accessoire ça aussi. Ça, c'est bien aimé, ça, et j'en ai plus beaucoup. Attends, c'est ça, hein, que j'ai pris là. Oui, c'est ça. Et du carapuce. Pareil, ces sleeves là, elles font un tabac. Hein. Ça, j'ai rien. Est-ce que je reprends des peluches maintenant ou pas? Pff, je pense pas. Il m'en reste un. J'arrive, beau gosse. Ferait mieux de les vendre, hein, ces boosters. Hein. Plutôt que d'ouvrir comme une demeure. Peluche, on a assez. On peut prendre là. Ah, c'est long ça, c'est dommage qu'on puisse pas en faire plusieurs des bulks là, en lège. Parce que ça passe pas trop mal. Les classeurs, il nous en reste, ça il nous en reste. Les dés, faudrait peut-être qu'on reprenne un de ces 4 aussi. Je peux mettre full dés là, je pense. Les peluches, je reprendrai plus tard. Accessoires, dés. 685.
Ça, ces petites box Bulbi là. C'est pareil, elles partent bien. Hop. Alors, les dés. Voilà. Ça se vend pas forcément des masses. Mais quand ça vend, ça fait plaisir. Là, on a deux balles. Ces decks là, c'est un petit banger. Lui, il a pas besoin. Et on a pris quoi en dernier? C'est quoi ça? Ah oui. Qui s'est déjà tout oublié. Je laisse tout là. Petit booster? On sait jamais. Ah, 10 balles, ça fait plaisir. C'est un hit. Store en 9. Je suis dégoûté, les gars. Je suis abattu. T'achètes quelque chose? Tu viens? Non? Tu t'en vas? Oui? Non? Ok. Bon, bah, pendant que les gens sont là, hein, ce que je vous propose, c'est un petit peu d'ouverture. On sait jamais. J'ai oublié de taper dans mes propres stocks. Faut qu'on l'ouvre, hein, cette putain de boutique. Aïe. Non! Putain, hit! S'il te plaît! J'ai l'impression qu'on se fait du mal, j'ai l'impression qu'on est en train de souffrir. Putain, pas un hit, j'ai ouvert 200 milliards de boosters. Peut-être que ça viendra de là. Peut-être que c'est sur Tempête que je vais avoir droit au bonheur. Peut-être que c'est Tempête qui va nous délivrer, les gars. On avait décidé de tourner le dos à Tempête Argentée, le set de base de ce jeu. Et oui. Et non, je comprends, hein, qu'on lui ait tourné le dos. Hein. On n'est pas... Ouais. Effectivement, on lui a tourné le dos. Il y a une raison. Ok, toi, t'as pris du booster, toi. Vas-y. En fait, on est obligé d'ouvrir un petit peu aussi. On n'a pas le choix, c'est le jeu, quoi. On n'a pas le choix, quoi, je veux dire. Mon display, ça dit quoi, là? On n'a pas le choix, quoi, c'est abusé, là. J'ai pas le choix. Obligé d'ouvrir un peu, là. Oh, oui, bien, ça. Oh, lui, c'est quelqu'un. Oh là là, oh là là. 348 euros, toi, je t'adore, toi. La peluche, bien sûr, y a pas de problème. Bien sûr, aucun souci, je te rends 18. Oh là là, on met 200 balles dans la pocket. Ça prend, les gars. 37, oh là là. Ah, ça met très bien. Il est 4h, il est 16h de l'après-midi. Ça, c'est du booster. Ouais, ça reprend du poil de la bête. J'ai envie d'y croire. Oui, monsieur, j'arrive, je suis à vous. Oh, on est un fan de la voix du maître, à ce que je vois. Mais régalez. Pop, 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 pop. Alerte puant! La créature du diable, là, qu'est-ce que tu fais? Voilà, bouffon. Pas vide l'emplacement. Je peux malheureusement pas mettre ça tout de suite. Ça, c'est pareil. Oui, j'écoute. Eh ben dis donc, t'es dans les Pokémon plantes, toi. Tiens, donne-moi ça, je te rends 28. Allez, ça bouge. Et le dernier qu'on avait pris, c'était... Eh oui, effectivement. Effectivement, faut restock, hein. Pas le choix. Haha. Restock. Pas le choix. Petit restock. Quand les émotes alertent puant, bah. Je sais pas si on va devoir faire une émote déodorant. Merde! Putain, mais on peut plus avoir. S'il vous plaît, je vous en supplie. J'ai l'impression de pas avoir droit au bonheur là. 15 balles, c'est que des... Avoir des sons de hit sur 15 euros, 20 euros. Hein, c'est déprimant.
Mais les gars, on avait bien commencé le live, on a fait une streak avec 3 x 250. J'ai l'impression qu'on a... Je sais pas, on a bouffé toute la chance ou quoi. C'est un truc de fou quoi. Salut, j'ai gagné le giveaway eBay, j'ai donné mes infos, toujours pas de retour de la part d'eBay, c'est normal. Bah j'imagine que c'est normal. Ouais. C'était il y a moins d'une semaine, donc oui, le temps qu'ils mettent tout en place. Je t'avoue que ça c'est pas moi qui gère, nous on a communiqué toutes vos informations que vous avez envoyées. Donc voilà, mais vous inquiétez pas, hein, c'est bien réel, a priori. À moins que ce soit un scam. Mais non, a priori, non, tout devrait être bon. Les gars, on n'a pas vraiment, on a rien quoi. Ouais, les gens marchent sur les cartons et tout, c'est dur. Hein. Ouais, ça arrive très vite là. J'ai l'impression que il y a une recrudescence de clients. Ok, je te rends zéro, sublime. Ah bah dis donc, tu m'as pris les deux. Je dois en refaire là des bousins. 47. Bah dis donc, lui nous a régalé là. Les gars, on est bientôt à 5000 en vrai. Hein. Je suis en train d'y croire. Il va falloir qu'on rachète des stocks, pardon. 170 balles. Sa vie! Heureusement qu'on a repris du stock un peu. Bah celle-là, tu vois, ça tombe bien parce qu'on allait l'ouvrir. Donc, on va plutôt la mettre là. Ça. Ça dégue. Ok. J'arrive, gars. Il est 8h30. Il faut qu'on reprenne du verre en commande. C'est quoi, c'est celle-là? Ok. Ça, faut qu'on reprenne. Ces goûts de peluche, ça m'a l'air d'être bon. Ouais, 4. Ouais, c'est good. On a quelqu'un en caisse. Cette peluche-là, elle continue à faire des miracles. J'en ai plus, en fait. Faut que j'en rachète aussi. Ok. Display, c'est ok. Ça, c'est ok. Il faut qu'on reprenne... Des decks, ça c'est du rouge. Ça c'est quoi ça? Bah, ils en ont plus repris les connards. Ouais. Ah, il y a du monde à la case, j'arrive les gars. Deck bleu aussi ça part, 90 balles. Du rouge plus tard, lui il va venir payer aussi. Ah, ça reprend du vert. J'en ai plus. Ça, la voix du maître. On n'a plus rien dans ce carton. Allez, c'est closed. Les gens vont se barrer. Donc, il nous faut du deck vert. Est-ce que j'en ai mis du deck vert? Noctipeluche, boîte de cartes vertes. Non, le deck vert, j'ai pas repris. Ça, ouah, la commande, elle va faire mal. Deck bleu. Ok, sachant que en booster, le prochain nous c'est ça, ça sert à rien, c'est niveau 20, c'est ça. Waouh, c'est étincelle déferlante les gars, la nouvelle série. Donc là on est fermé. Très bien, là display pas besoin, ça on reprend, le vert j'ai repris, il nous faut des peluches. J'ai repris ou pas les peluches? Nocti peluche, oui je crois que j'ai pris. Ouais, Nocti peluche. Mais pas mal hein. Faut qu'on fasse des racks. Ouais, c'est un mode, les gars, que vous pouvez avoir facilement, évidemment, sur Nexus Mode. Les boîtes rouges, il n'y en a plus que 3 aussi. Je vais en faire des bulk, des petits bulk. Ça, mine de rien, ça te débarrasse de toutes tes cartes à la con. Et les mecs achètent ça 15 balles. Ça permet de rentrer un petit peu. Ah, on va attendre la boutique, hein. Là on n'a pas le choix. On a beau avoir ouvert, c'était pas zinzin.
Ça, on va l'ouvrir. Ici, on peut pas. Ça, c'est quoi, ça? C'est du dé. Est-ce que le dé, c'est pareil? On est full ou pas? Non. Là, on est full. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est les decks. Et les decks, on est full. Bah, je crois qu'on va commander. Hein. Je vais peut-être prendre une petite truc de rouge aussi. Comme ça, au moins, c'est fait. 1160, ça picote. La commande, elle fait mal. La commande, on va pas se mentir, elle tabasse un peu. Mais on n'a pas le choix. On est victime de notre succès. Il faut se dire que quoi qu'il arrive, on va se refaire. Grâce à... C'est sûr qu'on va se refaire, les gars. Grâce à notre ouverture là de booster violet. C'est pas possible de rien avoir 200 fois d'affilée. On peut tromper 1000 personnes une fois, mais pas une personne avec 1000 boosters une fois par 1000. Non, on peut tromper. On peut pas ne rien avoir 1000 fois avec 1000 boosters. Non, attends. On peut pas avoir 1000 boosters avec une fois par booster. C'est pas ça non plus. On y va, on prend les peluches. Ok, j'ai. Et j'ai. Par contre, frérot, faut partir. Hein. Ouais, dégage. Il y avait un bug, il voulait pas bouger, il était bien, il était à l'aise. Alors, peut-être. Non. S'il te plaît. Laisse-moi fermer les yeux. J'ai cru un back-to-back assez violent, mais non. Oh. Oh. Ça, c'est vraiment horrible. On a deux hits. Et c'est deux hits puantissimes. On va ouvrir. N'hésitez pas. On va bientôt ouvrir. Ça va? Bon bah ça j'ai plus aussi. Hein. Ça je vais remettre, il me faut des sleeves classiques. Je suis abattu. Voilà. Ouais, on n'a pas. C'est quoi ça? C'est ce qu'on avait pris. Est-ce que j'achète quelque chose encore? Non, j'ai rien envie d'acheter là. Si, en vrai, j'aimerais bien prendre les tapis, mais ça coûte trop cher, quoi. 1000, 2000 balles. Vas-y, on va attendre. Ça, déjà, ça a l'air d'être pas mal. On va rester là-dessus. Allez. On peut pas faire mieux. On paye les factures maintenant, comme ça, on est tranquille. Allez, on fait une grosse journée. On va vendre vite, ouais les gars, c'est parti, on fait... J'ouvre, j'arrive. Allez hop, on va ouvrir, hop c'est ouvert. N'hésitez pas, rentrez messieurs, dames. Là on vient dans... C'est le carton à pioche ici, je l'appelle le carton à pioche. Si jamais on sent un petit coup de mou dans cette affaire, voilà, on revient... Oui. J'en marche dessus, il respecte rien. Ok, j'arrive. Ouais, il a tout pris lui. Oh bah, mais toi, t'es génial. Allez, 211 balles de bon matin, là, ça me met en joie. Eh bah, c'est super. Ah, oui. Ça repart 46. J'aurais pu faire un effort, hein.
crois que c'est... C'était... Ouais, c'est ça. J'arrive. Arrivederci. Mais qui dit n'importe quoi. Alors, ouais, 85 balles. Toi, tu nous proposes combien? Ouais, deux boosters tempête argentée. J'ai l'impression que ça revient en force tempête argentée, encore une fois. Comme la dernière journée. 84-16. J'ai pas remis de cartes, par contre, je suis en train de capter, là. Ouais. J'arrive en caisse, j'arrive. Je mets juste les prix, les gars. Attendez, hein. J'arrive. Ouais, c'est pour... Oh, oui. Oh non, c'est des sleeves au final. C'était pas tant que ça. Merci pour les 40 balles. Petite dépense quand même. 90, toi, t'es quelqu'un. Alors, on est bien... Trois, quatre, cinq, six, il en faut 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ouais, ça m'a l'air d'être bon. J'arrive. Ah, les ETB qui commencent à partir aussi. Peut-être falloir en racheter un de ces quatre. Oh là là. Mais toi, je t'adore, toi. Toi, t'es quelqu'un, toi. Et c'est bon. Merci aussi. Bon, 8 balles par carte. Tu aurais pu faire le sans contact. Hein. Tu aurais pu faire le sans contact. 20 euros. Et toi, tu nous amènes le quoi? Oh, un petit classeur. Ça, c'est toujours bon, un petit classeur. Eh ben, les gars, 4100. 4100, on va bientôt... Ah, j'y crois, cette boutique, on va remettre dans le stock figurine. On va remettre ça. Ça, c'est sûr. C'est sûr que ça va partir. Je vois un peu vite fait. Ouais, vite fait. Ces petits tiroirs, voilà, on ouvre dès qu'on a 5 minutes. Ouais, ça arrive. Tu nous prends quoi, toi, le Dardarnian? Non. Pas du tout ça qu'on doit te rendre, c'est 18 balles. Va me faire arnaquer, quand même. Ok, plus rien. Je crois qu'il faut que je reprenne des ETB. Oh, le mec. Oh, il nous prend du point de fusion. On a combien? Bonsoir. Je vous mets quoi avec ceci? Rien, c'est superbe. Les gars, 4500, on approche du but. C'est display point de fufu et display... display, comment ça s'appelle? Faille Paradox, qu'on n'a pas. J'arrive à commander. Ça me prend de la carte à l'unité aussi, c'est très bien. Je te rends 19, hein. Ok, on reprend. Hein. Je suis obligé de dépenser un peu, les gars. On n'a pas le choix. Les peluches qui sont victimes de leur succès. On va les mettre là en attendant. Ok. C'est vrai que ces displays-là, par contre, quand elles partent, elles font du bien. Hein. Au porte-monnaie. Ok, 4200, dès qu'on peut, on achète la boutique, comme on l'a dit, on ouvre masse boîte. On ouvre n'importe quoi, on achète masse bureau plutôt. Ça, je vais en remettre ici. Voilà. C'est quoi ça? Ça, c'est les decks. Ça, c'est les dés. Il n'y a rien à faire avec les dés. Ça, c'est des decks. C'est que du deck. Ça, c'est les trucs rouges. Ils sont restock. Personne n'en a pris. Tout le monde s'en bat les couilles. Et le vert, tout le monde s'en fout aussi. Alors, oh là, il y a du monde.
Je suis là. On est bien. Toi, tu nous prends quoi? Ah bah, tu vois, vous voyez, les displays, là, elles valent vraiment le coup. 207 balles. Allez, on est 62. 5. Quoi? Ah oui, pardon. C'est bon, j'ai fait une erreur. Ouais, c'est arnaqué. Alors lui, il aime les decks, hein. Et je crois que les decks laver ont pris un peu de tarot. On va en reposer. Voilà. On reprendra des displays un petit peu plus tard. On est pas mal. Les peluches qui partent plutôt pas mal aussi. Bulk, pour l'instant, pas grand-chose. Ça, ça, ça. Voilà, vous savez ce qu'il nous reste à faire, hein. Il faut prier! Et j'ai prié! Prié! Yeah. Surtout le loyer du magasin 2. Ben c'est 5000 balles! Quand il va voir la taille du magasin 2, au début, il va tellement être déçu. Mais non, on s'en fout! Je vais juste prendre ce que j'ai là et je vais mettre au magasin 2, quoi. Ah, 14 balles, ça dégoûte. C'est maintenant, les gars! Je vois qu'il y a des gens qui viennent. Excusez-moi, je finis d'ouvrir. Et je suis à vous. Oh oui, bah c'est toi qui paye le magasin 2. GG à toi. Attendez, je prends. Merci. 8. Alors. Oh là là. Oh oui, c'est gagné. Oh, c'est gagné. Use main entrance, no entry. Ah, ouais, d'accord. Est-ce que je peux faire ça? Sorry, we are closed. Ah, c'est très chouette, c'est très très bien. On va faire ça. On va faire ça. Oh là là, attendez, ouais. Oh putain, j'en ai des choses à faire maintenant. On a plus une thune. Non, j'exagère, on a des sous. Par contre, les puants, ils peuvent rentrer par l'autre entrée. Si je fais ça, si je ferme ici, ça va fermer le magasin, on est d'accord. Si je veux qu'ils passent que de l'autre endroit, c'est mort, je pense. Ok. Ouais. Je vais attendre la fin de journée, ouais. Là, je vais les laisser faire. En gros, on va réorganiser ici. Vous allez voir, ça va être fou, ça va être fou. D'ailleurs, mon projet d'urbanisme est assez zinzin. Oh, quel jeu de fou, quel jeu de fou! C'est juste que maintenant, il va falloir qu'on... Pour rentabiliser tout ça, les gars, je vais pas vous mentir qu'il faut qu'on ait des bonnes cartes. Hein. Il va falloir qu'on ait des bonnes cartes. Hop, dans le projet... hop, on rajoute ça. Tac, tac, tac. Ça, pour l'instant, on s'en branle. Là-bas, je vais le fermer, là-bas. On va faire ça. En fait, le mieux, c'est que je fasse fermer là, ici, et que tout le monde passe par là-bas, où il y a les deux trucs, ça va soigner, ça va laver tout le monde, là. Tiens, bouffon. Et je vais mettre la caisse là-bas. Bah oui, merde, oui, je suis d'accord. S'en va. Il est quelle heure? 5h53. 5h53, donc on a encore la journée. Ça, je vais le commander. Il y a quand même un puant qui a réussi à passer. C'est une folie. Frérot, on t'a dit de... Comment il a réussi à passer, le frère? Et là, on va faire que des tables de jeu ici. J'ai déjà mon plan d'urbanisme en tête. Hop. 9 balles. J'imagine qu'il y a des mecs qui ont dû créer d'autres modes, d'autres jeux de cartes, quoi. Il doit y avoir du Magic et tout, non? Du Yu-Gi-Oh! J'imagine, hein, peut-être que je me fourvoie. Les Pokémon, c'est vrai que ça marche bien. 182 balles. Bah, les Wankul, ouais, je sais, parce que j'avais vu Terra y jouer. Mais je parlais en d'autres comment ça s'appelle, TCG, on va dire un peu plus mainstream aussi, tu sais. Mode Wankul est très sympa, ouais. C'est vraiment stylé en vrai d'avoir ça.
Les mods, ils sont pas là. C'est pas rentable, full table. Ah bon? Gros, je vais mettre que des tables ici, là. Comme ça, les gens vont venir. J'ai pas besoin d'avoir... tu vois, tout cet espace, il est perdu. Donc, autant qu'ils mettent des tables, quoi. Ce sera forcément rentable, plus rentable que tout ça. Allez, après, ça va être... Ouah, le grand ménage. Il va falloir que je mette la caisse ici. Parce que, du coup, sur Renault Grandé... Ah ouais, tu dois réaugmenter aussi, ici. Mes magasins 20. Il faut être niveau 20, donc il va falloir ouvrir. Qu'est-ce que tu veux, ma gueule? Juste ça? 16 balles? Ça, c'est vraiment les vrais relous. Ok, 4 balles. Superbe, des cartes. 111 balles. Toi, t'es quelqu'un. Du booster, une carte. Je te rends 11 balles. C'est très bien aussi. Putain, mais lui, il passe entre les mailles du filet. Ils font chier, ces puants-là. C'est trop chiant, hein. Non, mais là, tu déranges tout le monde avec ton odeur, frérot. Ah, faut partir. Ok. Il est 8h25. Ah, mais c'est parce qu'il m'en manque un. Non. Il a été... C'est bon, il a été lavé. Il a été lavé. Allez, vas-y, envoie ta commande. Les amis, il reste pas beaucoup de temps. C'est bon, il a été lavé aussi. Ça, c'est commandé, c'était commandé. Ça, c'est dans le panier. C'est ici, non. Après, on peut remettre quand même. Ça, c'était quoi? Putain, ça a été dévalisé aussi, ça. La boîte ne contient plus aucun article, déjà. Bien fait de racheter. Bah décidément. Oui, oui. Donc ça, c'est pour ouvrir. Ça, c'est du dé. On va en mettre un. Ok. Ça, c'est du deck. On n'a pas besoin du deck. Tous les decks sont full. Et ça, c'est des sleeves. On est full aussi. Ok, on est close. Est-ce qu'il y a des mecs encore? Ouais, bon, là, il faut partir. Hein. Par contre, dégager. Bon, c'est excellent. On va ouvrir ce qui nous reste là. On va passer en mode prochaine journée. Et on va faire le... moins 1733. Bah ouais, ça nous a coûté si cher, le magasin. Allez, j'ouvre ça. Bah, la boîte est pleine, je suis obligé d'ouvrir. Allez, s'il te plaît. On n'a pas eu de chance de toute la session. Les gens sont à genoux pour une carte à 1000 balles. Et moi aussi, je suis à genoux. Je pitié. Oh, 40 balles. Tu nous régales pas, toi. Hein. Tu vas pas nous régaler, c'est ça. Hein. Il reste combien de boosters? Oh, le foufou, comment il va celui-ci là depuis ce matin là? Ça s'envoyait des grands smash dans la gueule. Ah là, y a pas d'alerte 8, les gars. Hein. Ah, c'est très bof. Hein. Littéralement, je peux pas bosser dans un Mac comme ça, obligé, je craque. Bah, tu sais, oui et non, quoi, parce que quand tu vois l'état des finances, au bout d'un moment, tu vas vite arrêter de craquer, hein, je pense. Oh, bah putain, on fait faillite. Oh, bah ils saisissent ma maison. Oh, je vais arrêter d'ouvrir, hein, je pense. Si, tu peux t'en sortir. Allez, dernier booster, et il pue la merde, évidemment. Bon, les gars. Là, c'est... Oui, ne rentrez pas par là. Pour moi, on prend ça. Moi, on prend ça, on met la caisse ici. On la met dans un angle, histoire qu'on soit bien. Comme ça, là. On est très bien. Oh, alors, attends, je vais laisser un peu d'espace quand même. On n'est pas des brutes. Hein.
Voilà. Juste faire de la place. Alors. Oui, oui. Ça, on devrait se mettre ici, je pense. Parce que j'abuse, si je suis comme ça, je pense pas. On en a combien ? Oh non, j'en ai tellement peu. Pff, c'est cadeau, ça. C'est cadeau, les gars. En deux heures de jeu, j'ai chopé deux cartes. À 1K et une à 2K5. Oh, vas-y, c'est bon, frère, c'est bon. C'est trop grave, votre chat. Nous, on a rien, rien. Si, elle fouille. Alban, t'as une chatte de malade, gros. C'est hallucinant. Rien, rien du tout, frère. J'ai rien. Rien. On a eu 3 cartes à 250 balles. Voilà, voilà mon palmarès aujourd'hui. Puantissime. C'est magnifique. Voilà, comme ça, les mecs, ils viennent là. Après, je peux leur dire de passer par là, mais du coup, les puants, s'ils rentrent par là, ça dégue un peu, quoi. Je préfère que les mecs arrivent par ici. L'atelier, je vais le mettre là en attendant, mais ça sert un peu à rien, cet atelier. Enfin, c'est pas qu'il sert à rien, mais bon, vous avez capté, quoi. Ça nous sert à faire les bulks. Tu peux encore plus coller contre le mur, mais ce que je viens de faire, là. Ah, tu veux dire encore plus que ça ? Voilà, ils sont contre le mur, là. Ouais, non, c'est bon. C'est très, très bien. Là, j'ai laissé un petit espace. On est bien. Bah, il y a ça, en fait, à bouger. Et ça, on n'a pas besoin de plus. En vérité, c'est pas si mal. Peut-être qu'il faudrait qu'on... Ouais, je sais pas si c'est si bien que ça au final. Non. Si on met ça plutôt dans ce sens-là. Ouais, mais je pense pas que je puisse en mettre deux là. Je crois que je peux en mettre deux là. Et c'est pas mal ça. En fait, l'atelier, il est moche. L'atelier, il dégage. Atelier, on va le laisser là-bas. De toute façon, on s'en fout, personne l'aime, personne t'aime. C'est les stocks, quoi. Ah, il veut pas se poser, hein. Viens. Ouais. On va laisser là. Ok. Bon, pour l'instant, ça, c'est nos stocks de mort. Hey. Vous en pensez quoi là? Quand tu rentres, t'as ça. Mets un peu au milieu, tu vois. Ouais, comme ça, non? Ouais, comme ça. Ouais, c'est pas mal. On va faire comme ça. C'est très bien. C'est très très bien comme ça. Eh, commence à avoir de la gueule. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est. Oh, c'est comme ça. Voilà. Et je peux en acheter combien? Table de jeu. Voilà, mon pote. Bonjour. Ça va super vite ici. Hein. On est en pleine expansion. Quoi? Ok. Et hop. Comme ça, tous les puants, là, les joueurs, ils arrivent ici. Et là, c'est... putain, pour faire des tournois et tout, attends, on me dit pas qu'on les régale pas, les types. Hein. C'est très, très bon. Allez, superbe. On va pouvoir ouvrir. Bah non. Bah pas du tout. Pas du tout, parce que c'est quoi nos cartes qui valent les plus chères? 15 balles? Non. 39. C'est horrible. Et j'ai pas de thunes, j'imagine, pour... Waouh, 700... Les gars, c'est la dernière chance au dernier moment. L'agence tout risque, on n'a pas le choix. Allez, hop. Est-ce que je dois payer mes factures? 360. On paiera une autre fois. Hein. On paiera une autre fois les factures, hein, non? Ça me semble très bien. Hein. Là, on va mettre ça là. Et ça, c'est quoi? Ah ouais, c'est les ETB, putain. Ouais, pas le choix. Pas le choix, je suis obligé d'ouvrir. Je suis obligé d'ouvrir cette ETB qui reste.
XP level 20, t'as des néo. Eh ben c'est ça, j'ai, en fait j'ai envie de passer level 20 pour avoir les nouveaux boosters. Oh le jeu il nous met dans une boucle. Et il me donne des chenipans à 30 balles. Alors qu'il y a des mecs qui ouvrent dans le chat et qui ont des cartes à 1500 euros. Mais bon bref, on va pas les citer. Allez. Oh 10 balles, 10 balles. Ce son il est censé te procurer du plaisir, du bonheur, pas te dégoûter comme ça. C'est de la merde, voilà, c'est de la merde. Faut le dire, au bout d'un moment, c'est de la merde. Bon, ça vous savez ce qui va se passer, hein, c'est sous caisse. Ouh, allez. Bon, on peut pas inverser les deux entrées, non? On m'a dit que si j'ouvrais à gauche, les gens passaient quand même. Enfin, en droite, en gros, ça ferme le magasin. Donc. Oui, tu peux que fermer à gauche, on est d'accord. Donc, bah, c'est un peu naze. Oh mais putain, Reptincelle à 13 balles! Comment c'est possible? Reptincelle qui vaut 13 euros, frère, Reptincelle! Mettez un peu de respect sur son nom, non? Les gars, là par contre, c'est une dinguerie. Non, faut quand même dire qu'on a commencé le live, c'était pas fou, c'était moyen, tu vois, en termes de chance. Mais là, c'est affolant! Non, là, attends, faut que je reprenne mon mood. Eh, hey, les gars, le orange ne déçoit jamais. Le orange ne déçoit jamais. Fight Paradox, ça ne déçoit jamais. Attendez voir, hein. Ça ne déçoit jamais, Fight Paradox, jamais, le orange ne déçoit pas les gars. Pas de hit depuis 17h, mais vraiment c'est ça, y a aucune vanne hein, les gars. La plus grosse carte qu'on a eu ici, on a une carte à 400 balles une fois, voilà, en 2002 je me souviens, c'était énorme. C'est trop une singerie de faire ça. Putain. Merci pour les subs et les resubs, hein, les frérots. Il y a que ça qui me maintient en vie, j'ai l'impression. J'avais pas vu. Ah, mais on a plus rien. Merci pour le vinyle aussi, hein, site base. Merci, frérot. Il y a une chance que ça arrive avant janvier, genre mi-décembre. Oui, on essaye de faire notre possible pour que le vinyle arrive pour Noël. Là, ma meilleure carte de cette session, c'est une carte à 40 euros, quoi. Il n'y a pas de vanne, en fait. C'est quand même une folie. C'est une folie. Je suis obligé de mettre des cartes à, attention, 19 euros. Je suis tout simplement sans voix. Je suis sans voix. I am speechless with no voice. Voiceless. Merde, hein, c'est... Waouh, mes cartes à 30 balles, frère, c'est hyper grave. Bon, ben, on va aller ouvrir, hein. on va ouvrir. Allez, vas-y, les gars, j'ouvre. Faut qu'on prenne du XP, de toute façon. Hein. On a les tables qui sont mises en place. Ok. Nous, on est obligé d'attendre ici, quoi. Ça y est, ça prend déjà de la teucar. Je t'en prie, fais-toi plaisir, achète tout ce que tu veux, mon gars.
Cette musique, j'en peux plus. Allez, un petit 360 balles de facture. On a 300 balles. J'ai tout donné pour cette boutique. Il y a intérêt que ça remplisse. Hein. Ça remplisse les tournois. Là, je vous le dis direct, les gars. Vous allez bouger votre cul. Hein. Vous allez faire des tournois. Là, vous allez jouer, là, les bouffons. Hein. Oui, bonjour. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pourquoi? C'est de la merde, cette carte. Tiens, allez, stop. Dégage. J'ai plus de voir. Ouais, vas-y, prends les boosters. Casse-toi aussi, je veux plus de voir. J'ai pas le choix, les gars, j'ai pas le choix. Je dois qu'écras. On a combien, là? Ouais, ouais. J'ai quand même pas mal de stock, hein. Je peux me permettre, hein. Ouais, je peux me permettre, hein. Bonjour. Elle est superbe, cette carte, hein. Je vous la conseille, bien joué. Je vais mettre ça à côté comme un drogué. Ou un mec qui a besoin de... Tu vois, de sa petite dose quotidienne. Hop, je vais passer par là, bonsoir. $10, sale chien. 10 balles! Bonjour. Oui, c'est pour... Et d'accord, 10 euros. Putain, heureusement que vous existez, vous, hein, les clients fidèles. Oh là là, 10 balles, 30 balles. Oh, oh, oh. Mais je demande pas grand chose, je demande juste une bonne carte, une carte qui peut lancer mon magasin, To The Moon. Qui peut lancer ma cryptocurrency. Ah là, il n'y a pas d'alerte hit. Et là, il nous veut quoi, lui? Il nous prend des... D'accord. L'orange déçoit jamais, les gars. L'orange des... Tiens, je vois qui se connecte. Alfouille joue à TCG Card Shop Simulator. Ah, je te vois, hein, Alfouille, là. Petit coquin, là, celui-ci. Bon. Et on... les gars, on est niveau 20. On est niveau 20. C'est peut-être salvateur. C'est le moment. Allez, c'est d'économie, maintenant. On est niveau 20, c'est peut-être notre moment. Faut vraiment comprendre que c'est là qu'on va avoir droit au vrai booster, peut-être. Peut-être, hein, je dis bien peut-être. Ok. Ok, frérot. Ouais! Ah bah, toi, tu nous mets bien. Toi, tu nous mets très très bien. On va en reposer, hein. Non mais ça sert à rien d'ouvrir, ça on a plus de chance. Donc on repose. Alors faut qu'on voit combien coûte la licence. C'est à côté, c'est pareil, hein. C'est vraiment victime de son succès, j'ai l'impression, cette série. C'est complètement dingue, qu'est-ce qu'on a plus ici là? Oh, ça va commander, hein. C'est hors de question. J'arrive. Voilà, c'est superbe. Qu'est-ce qu'on a de ce côté? Des sleeves. Bah en fait, tout ça, faut que j'aille un peu le poser à côté, mine de rien. C'est mon stock. Il y a quelqu'un? Ah, pardon. 17 balles. Il faut qu'on regarde combien ça va nous coûter. Alors. Ça, c'est des... Je crois que ça, on était full. Ouais, les decks, c'est pas ce qui part, là, pour l'instant. Tu veux quoi, toi? Ok. J'aurais dû me ramener les stocks plus tôt. Parce que là, je cours comme un chien. Ouais, j'ai plus rien dans la boîte. Tout part. On est victime de notre succès, les gars. Je cours partout aujourd'hui. Je cours partout. 12 balles. Allez. Toi, tu veux quoi? Super. Ça aussi, hein, ça marche très très bien. Toi, tu veux quoi? Allez. Les ETB qui partent aussi à foison. Va falloir qu'on recommande... celle-là, je vais chercher là-bas. Putain, c'est vide, hein. Les gars. Il s'agirait d'être un peu plus enjoué, quoi. Ok. Après, je mets les journées chères, hein. Exprès. Ça, c'est de la sleeve. Et le dernier carton. C'est quoi? Ce sont les decks. Mais les decks, je crois que personne n'en a pris. Non, personne n'en a pris. Donc pour l'instant, OZEF pour les decks.
Bonjour, c'est quoi? Les petites boîtes rouges. Il m'en reste beaucoup ou pas? Il en reste 3. Ça part tranquillou. Ça vaut peut-être le coup d'ouvrir un peu. Putain, faut qu'on rachète ça. Hein. Ça, on va prendre un truc de 64. Et là, j'ai pas le choix, en fait. Je suis en train de voir que c'est la guerre. Ok. J'ajoute au panier 400 balles. Des sleeves. Ok. Je suis obligé de commander. Par contre, combien ça coûte maintenant qu'on est niveau 20, ça? C'est 2000 balles. Waouh. Et je suis obligé de commander, sinon on est à la rue, les gars. On va commander tout de suite. Je sais pas si on va pouvoir... Non, on mettra pas tout. Malheureusement, on ne mettra pas tout. Bon, les cartons, c'est les cartons. Ah, excusez-moi, vous avez quoi? Ah, mais décidément, hein. Vous avez vraiment des gros fans de sleeve ici. Hein. Allez. Ça, c'est pour restock ici. Et le reste, bon... Même s'il ne drop pas, vous savez très bien ce qui va se passer. On espère... J'ai envie d'y croire, jusqu'au bout. Ça, ça nous permet de se renflouer. C'est vraiment le best-seller, hein, j'ai l'impression. Et ça, c'est quoi? Ouais, point de fusion. Il n'y a plus rien. 26, 27, ça suffira largement. J'arrive. Ok. J'arrive, c'est quoi cette évolution de Zinzin? Bah écoute, on a pris l'extension, on a économisé 5000 balles, on a mis un mode Pokémon. Et malheureusement, depuis environ, je pense, hein, depuis 18h30, toute la chance qu'on aurait pu avoir nous a quitté. On en avait à peine un peu, et là on n'a plus rien du tout. On n'a plus rien du tout. On n'a plus droit au bonheur, donc on a décidé de mettre tout le magasin ici, et que tous les frérots qui veulent jouer aux cartes jouent sur la grande salle. En espérant que ce soir, mais on n'a rien, on n'a rien, 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 rien. Putain, petit à 913 encore ici. Bah, juste GG. J'aimerais pouvoir dire encore, moi de mon côté aussi, mais. J'ai encore à chier, si tu veux. Oui. Ah ouais, ça y est, ça allait. Il y a quelqu'un qui a décidé de tout prendre. Oh, 24,50. Oh la vache. Ah, oh, ça fait super plaisir, ça. Ah, ça fait super plaisir, ça, les gars. Waouh. Quand même, y a quand même du respect, là. Allez, 9. Il est 4h, on a peut-être la lumière allumée là. Ouais, ça allume pour tout le monde. Bonjour. Bah, 3 balles. Ok. On a ça à ouvrir. Ça, on peut aller le mettre. Je crois qu'il y a eu une vente. Ouais, c'est bon. Donc, ça permet de libérer un peu d'espace. Ça, c'est les decks. Il y a un mec qui m'en a pris masse. C'est magnifique. Ça, c'est quoi? Les decks bleus. Ça, c'est... Il n'y a plus d'espace non plus. Les sleeves. Merde. Ça, c'est les box qui nous restaient. Il m'en reste 2. Il faudra qu'on en rachète. Ça, ça a été victime de son succès aussi. Mais on fera l'inventaire de fin de journée. Ok. Lui, il va payer. Oh, lui, je pense qu'il va payer... Je n'arrive pas à décider, bah s'il décide très vite. Voilà. Tu nous prends des dés. Il faudrait que je vois en fin de journée parce que si mine de rien, ça se remplit. Hein. Je pense que les tables de jeu, ça rapporte quand même pas mal de thunes. Plus tu as un event qui va coûter cher parce qu'on a à 15€ de l'heure. Donc je laisse jouer. Hein. On va les laisser jouer. Et pendant qu'on a personne à la. Personne en caisse égale ouverture. Vous connaissez la tradition. Hein. Et là, on a 2000, on va pouvoir acheter. Alerte 8! Enfin! Enfin! Mesdames et messieurs, la malédiction est brisée! La malédiction est brisée, putain! Merci! Merci la famille! Ah, le chat qui hurle, alerte 8! Enfin, putain! Ça y est, c'est peut-être le début d'une longue série. Fin de la série.
Ouais, salut mec. Ah ouais, bah là je suis en alerte 8, putain. Ah bah vas-y, hein, 102. Oh, quel bonheur! Mais quel bonheur! Mais quel bonheur! Ah bah oui, 600 balles. C'est direct, hein. Hop, ça arrondit très vite. Ça arrondit les fins de mois, comme on dit. Bonsoir, bonsoir. 15 balles. En plus, ça va permettre là de se mettre très très bien, de pouvoir acheter des nouveaux boosters. Donne-moi ça, 24 euros. Ça dégage. C'est très bien, ces trucs-là, là, on va les foutre ici. Et même, on va les mettre là-bas, on n'en a rien à foutre. C'est de la merde ce truc. Y a personne ici, hein. Ouais. Et là, on va mettre booster, nouveau booster. C'est bon, on a les thunes, hein. Les gars, on a les thunes. On a les thunes, les gars. Qu'est-ce qui nous prend, lui? Ok, une petite carte à 21 balles. Ok. Regardez, regardez, ça y est. Oh, l'émotion. Oh, c'est l'émotion. Je prends deux cartons. On va ouvrir. Ah, il faut trois cartons, en fait. 629, 620, j'achète. Vas-y, t'achètes, toi. 23. Dégage. C'est superbe. On s'est gardé un petit carton pour ouvrir. Attendez, on n'est pas des bêtes, hein. J'espère qu'on aura plus de chance sur cette série, hein. Parce que si on a zéro chance, hein. Envie de jump. Ok, il est quelle heure là? 8h56, peut-être le dernier client, bonsoir. Bonsoir monsieur. Oh, bah dis donc, ça se sleeve la carte. Allez-y, dégagez. On a de quoi ouvrir. Tout le monde va devoir se barrer. Il est 9h, c'est closed. Très bien. Alors, faisons un peu le point calmement. Tout ça, on n'en a plus besoin. Ça en sleeve, j'en ai 20, donc c'est mort. Et ça, c'est quoi? C'est ça, et quelqu'un est passé, donc on peut recharger. Et voilà. Très bien. Alors les stocks, c'est plus ce que c'est. Hein. Ok. Qu'est-ce qui est fait là? Cela a coûté 27$. Oui, bah allez, casse-toi. Oh, tu te prends pour qui toi? Mais folle. Vas-y, prends un peu là. Prends, t'as pas envie de claquer un peu de la moula là, de la thunes? Ouais, super, de la peluche. Tu veux pas claquer autre chose? Attends, ma gueule. Ouais, prends des. Mais les dés sont super. Tu veux pas une carte Koffing là? Koffing? C'est Smogo. Tu connais pas? Non? Ok. Pas plus. Ah, elle nous prend du deck, hein, elle nous prend du deck. Et c'est 172 euros pour la dernière cliente de la journée. On la remercie, hein. Remercions les clients fidèles. Toujours, toujours les clients fidèles. Les gars, vous êtes prêts? T'as pas mis le prix, mais il est aveugle, quoi? Comment ça, j'ai pas mis le prix ici? J'ai mis le prix? 770 euros. Non, mais ça, c'est normal que j'ai pas mis le prix. Vous inquiétez pas, c'est le matin. Non, non. Là, faut partir par contre, les gars, c'est faut s'en aller. Voilà, faut se casser. Ah, des cartes, non, non, c'est normal, je le mets le matin le prix. Là, on est good. Alors, voyons voir. Expérience gagnée, article vendu, carte vendue, temps de jeu, niveau gagné, blablabla, article acheté, carte achetée, je jouais 52. On peut pas voir le revenu. Ah non, j'aurais bien aimé voir. Gain des jeux. Gain des jeux, c'est 1222 euros quand même. Hein. Vente d'objets et vente de cartes, c'est plus, mais les gars, plus de 1000 balles de gain de jeu. Là, on a bien fait de partir là-dessus. Hein. Alors, maintenant que nous sommes à jour, hein. Excusez-moi, mais on est sur plus 13 balles. 13 balles. Je pensais que ce serait plus. Voilà, je le dis, je suis limite un peu déçu, mais. On est à 11 euros. On est à 11 euros. Est-ce que j'ai encore des sous? Ouais. Ok, c'est dit. On va tout mettre ici. Et j'ai plus de cartes. Magnifique. Là, il nous en reste. Il nous en reste combien? 28, 32. Les gars, je propose qu'on fasse Five Paradox. Five Paradox, c'est un classique, ok.
Five Paradox, c'est un classique. Ensuite, on découvre la nouvelle série. Five Paradox, c'est le classique. On sait qu'on n'a pas eu de bol. On a, ce qui a été salvateur, ce qui nous a délivré, c'est Tempête Argentée. Hein. Quand même, faut quand même le dire. Hein, c'est le truc de base. Hein. Les violets, j'en parle même pas. Ils portent bien leur couleur. Hein, si vous voyez ce que je veux dire. On a subi. 33 balles. 11 balles. First Edition. Bah, bien la peine d'être First Edition. T'es tard, t'es pué à la merde comme ça. Ok. Je te déplace un peu. Allez. Rien du tout. Rien du tout. Moi, je m'en fous. Si ma chance, elle est négative sur Five Paradox, je m'en fous. Je veux que ma chance, elle soit positive sur la prochaine édition. Ouais, un petit Gravalanche, hein, 35 balles. Ça se grignote encore une fois. Ouais, un petit 16 balles, hein, c'est magnifique. Hein. Quelque chose, ça. Rien du tout. Et je crois là, si je devine bien, que c'est rien du tout encore une fois. Putain, putain, putain. Un petit Magnéti, une petite alerte 8, 155 balles, ça me va, je prends. Au point où on en est. Raichu Full Art à 3K1 dans Point de Fusion. Putain, la chatte, la chatte, la chatte. Ok. Je crois que c'est le dernier, ouais, c'est le dernier, dernière. Ça se prend. À 18 balles, ça c'est pas un hit. Il te faudrait presque un autre présentoir de cartes. Oh. Non, mollo, hein, je pense, calme-toi. Hein. Vu le prix des cartes qu'on a, je crois qu'on n'a pas besoin tout de suite d'autres présentoirs. Hein. Ok. Dracofeu X à 13K dans Tempête Argentée. Putain, mais quel chat de malade! Du coup, t'as une fantôme, quoi. Bon, puis sa mère. Ok, les gars, découverte. Découverte de la série Étincelle Déferlante. Vous êtes prêts? C'est parti. Oh, y'a Ectoplasma! Oh, Arcanin! Wow, les cartes, elles sont stylées. Ok, on a des grosses évolutions, là. Oh, le Dracofeu! Oh là là, ça peut être fou. Ça peut être fou, les gars. 16 balles. Pour l'instant, c'est mignon. Faut pas très cher, hein, ces boosters. C'est 13 balles le booster, on rappelle. En vente dans la boutique. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on touche de la grosse teucar, quoi. De la belle teucard, quoi. Alerte 8! Let's go! Let's go! Putain, il aura fallu attendre le dernier moment! Alléluia, mes brothers! Enfin, yes, on est délivré! Je suis délivré! Nidoqueen, Full Art, Golden, Double Rotor. Oh putain! Ça y est, la malédiction est brisée, putain! Oh là là, ça fait du bien! Ça fait du bien! Ça fait du bien! Oh quel bonheur! Oh, c'est que du bonheur! Ah, Sick Pool, obtain a Full Art Foil Card. C'est ce que nous avons eu. Ah la vache. Ah non, c'est bon, on peut ne plus rien avoir, je suis délivré. Je suis délivré du mal. Il fallait qu'on attende ces boosters, les gars, c'est tout ce qu'il fallait. Oh là, que je vais la mettre sur le présentoir. Ah, Nidoqueen, hein, mais merci à elle, la Queen. Slay Queen. Oh merde.
Oh là 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 là. Ça va la faire grader. Putain, et dire qu'on a failli finir. Putain, la Gengar, j'aimerais avoir un petit ectoplasma de fou là. On a failli finir avec un no hit quoi. Un no hit challenge. Et du coup, les gens qui ont voté pour oui sur la prédiction, qui sont récompensés de l'attente. Oh là là là. Il y en a sur le Pokémon Pocket. Le Pokémon Pocket, de quoi tu parles? Ah oui, mais c'est pas sorti encore. Enfin, ça sort le 30 en France. Le 30 octobre. Il est sorti qu'en Nouvelle-Zélande pour l'instant. Vous pouvez y accéder, je crois, avec un VPN et tout, mais pas encore décidé de si j'allais go tout de suite ou je vais attendre la sortie officielle. Oh là 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 là. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit... Ah, est-ce que j'en demande peut-être un peu trop? J'en demande peut-être un peu trop à la RNG. C'est des petits sets d'XP, hein. C'est vraiment de la big dorm. 50 à rien, ça donne pas d'XP. Hein. Eh les gars, on n'a plus rien là, on est tout nu. Hein. Ah bah moi je suis vraiment tout nu. C'est good. J'ai plus une thune. Hein. Par contre, je peux vous dire que ça va la vendre direct à Nidoqueen. Je m'en bats les couilles. Oui, ma gueule. Oui, ma gueule. Allez, ça dégage. Hein. Ma main est déjà pleine. Bien sûr qu'elle est déjà pleine. Elle est pleine de bonheur, ma main. Il y a intérêt qu'elle parte. Hein. Ok. Alors, la Nidoqueen. Elle est où, ma petite Nidoqueen, là? Ouais, toi. Prix du marché. J'arrondis. 7781 €. J'espère que tu pars, ma gueule. J'espère que tu pars. On n'oublie pas la magnétique quand même, hein, qui vient poser un 188 balles. Pff, la journée, elle est hyper importante, les gars, cette journée. C'est la journée où on a besoin de croire au dieu de la RNG. Là, on est à 20. Tac, c'est quoi ici? Et ça, c'est du deck. On n'a pas besoin de plus si on doit recommander. De toute façon, là, on n'a pas les thunes. On n'a pas les lovés. C'est parti, hein. We are open, guys. Alors, attends, ce qu'il nous faut, ça va être l'événement, maintenant. Ancien. Ah, héritage d'argent, 250 balles, hein. Ah, j'aurais peut-être dû mettre ça, je vais prendre ça, quoi. Ouais, ça a été épinglé, le message pour le mod, dans le chat, les gars, effectivement. Ah... Allez les gars, on suit bien les clients là. Bonjour monsieur, bonjour. Oui, bah n'hésitez pas à regarder les produits. Je sais pas si vous avez vu nos cartes à l'unité. À tout hasard, je n'arrive pas à me décider si je veux vraiment ça. Ah bah écoutez, vous pouvez tenter peut-être. Moi personnellement, ces boosters sont sympas parce qu'ils m'ont donné, si vous voulez, cette carte là. Vous voulez voir? Non? Vous voulez pas la voir cette carte? Elle est hyper belle. Hein. Elle est super. D'accord, j'arrive. Ah bah je vois que monsieur quand même a un petit budget tout de même. Allez. Merci monsieur aussi, hein. C'est superbe. Eh ben les deux beaux clients de. Les deux beaux Yankees, prix raisonnable, je dirais, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec vous. Oh. Oh. Oh, j'ai vu un mec. Non. Non, les gars. Non, les gars, les gars, les gars, les gars. Les gars. Fausse alerte. Fausse alerte, sale bâtard, bah, il était à côté. J'ai cru le premier. C'est 9h du sblé. Le mec qui vient, il débarque et il nous régale comme ça. Non. Non, c'est trop. J'y ai cru, hein. Mais bon. Fin de la croyance. J'arrive. Bonsoir. 16 €. Eh oh, faut payer un peu plus, hein. Ok, on a quoi? Pour l'instant, j'ai mis ça et ça. Boîte de cartes bleues, boîte de cartes rouges. Je dois reprendre une boîte de déo aussi en accessoire. Mine de rien, parce qu'on sait pas où c'est que ça en est. Là, tu vois, il en manque un. Là, typiquement. Ouais, pareil, il en manque un là. J'ai oublié de remettre. J'arrive, les gars. Ça repart en déo. Oui, oui. Alors, ok. Une boîte, bah écoute, c'est 23 balles. Hein. Ok. Pff, chaque fois que je vois une carte, mon cœur bat la chamade. Petit tas de morve. Ok. C'est le Xav. Le Xav qui nous prend des boosters. Ok.
Pas de soucis, mec. Ok, une petite boîte. 13 balles. Des ETB aussi, ça a l'air de partir. ETB, je vais reprendre. Ouais. ETB, on va juste reprendre ça. Vas-y, on va commander. Bonjour. Merci. Ok, petite ETB. On sait jamais. On sait jamais qu'on redrop quelque chose là-dedans. Putain, les gars, 3000 balles. 3000 balles, je suis entièrement nu. 3000 balles. Faut qu'elle parte, hein. Faut qu'elle parte aujourd'hui par pitié. Faudra que je reprenne des oranges aussi. Bonjour. Qu'est-ce que je vous... Oh, ben, bien sûr, avec grand plaisir. Alors madame, qu'est-ce que vous... Oh, je vous conseille la nouvelle série, hein. Elle drop beaucoup plus personnellement. J'ai eu l'occasion d'avoir Nidoqueen, Foulard Foy, connasse, va. Pardon. Non, mais nous, je déteste les gens qui nous écoutent pas quand on parle, hein. Ah là là. Bonjour, ouais, des racks. Bah, vous avez bien raison, faites-vous plaisir. Il y en a pour toutes les bourses. À portée de toutes les belles bourses. Oh. Oh. Bah quand même, dis donc... Eh ben mon salaud, la coffing ex brillante, monsieur. Avec grand plaisir, à vous revenir quand vous voulez, hein. Hop. Et classeur, il n'en reste qu'un. Oh là là, j'ai mis la carte à 3000 balles, évidemment que oui. Ok, 47. Ok. Faut que je reprenne... Oh putain, j'ai... Oh là là, lui. Eh ben, c'est 4. Oui. Ah ouais. Toi, t'aimes les decks, toi. Excuse-moi, mais... Ok, là, je me suis fait des balles. Ça, il nous faut du accessoire... Alors, attends. Excusez-moi, mais... Ouais, il nous en faut ça. Ouais, ben, on n'a pas le choix. Tac, tac, accessoire... Ça, ça. Je fais l'inventaire. Hein. Je suis à vous dans quelques instants. Il me faut des classeurs. Classeurs. Pas mal. Deck vert. Hein. Deck vert. Ça repart. 712 balles hein, de commande. Oui, j'arrive. Vous me faites peur, monsieur. À chaque fois, je vibre. Oh bah c'est le dernier classeur, on doit être livré, on doit être livré, n'hésitez pas à repasser. Hein. On va être livré sur les classeurs. Pas de panique, hein. c'est pas out of stock, on va être livré. Voilà, bah justement, parlons du loup. Hop, là c'est pareil. C'est ce qu'on a derrière. Et ça c'est les petites ETB. Et ça, on est quasiment full aussi. J'arrive, j'arrive. Bonsoir. Eh ben, dis donc. J'aime beaucoup les figurines, les petites peluches coquines. Ou... Ils essayent de me faire vibrer un petit peu. Il est 14h. Il est 14h. Tout est possible. Il est toujours là. Je peux descendre un peu le prix si vous voulez. J'arrondis à 1. Non, allez, je laisse. Je vais pas commencer à faire le mec. Alors, comment ça se passe? Le tournoi a l'air de bien se passer. Les tournois, ça se passe? Vous amusez bien? Vous pouvez vous mettre en face, hein, si vous voulez jouer tous les deux, ce serait pas mal. Sinon, vous avez rien compris. Ah, mais monsieur, faut pas passer à travers le mur. C'est interdit. On fait des travaux, là, en ce moment. Non? Ok. Ben on attend, je vous propose une petite display Fire Paradox. Le temps que les clients arrivent. Ça ne coûte rien. Ouh.
Petite 26 balles. Paye pas de mine, mais bon. Maintenant, on va ouvrir que la nouvelle série, les gars. La nouvelle série, elle est insane. Putain, lui, regardez tout ce qu'il a pris. Je suis à vous dans quelques instants. Je finis cette display. Ouais, le mec, il a pris tous les decks. D'accord, donc toi, t'aimes ça aussi, les classeurs. Putain, mais ils me prennent tous les decks, les gars. Oh, c'est bon. J'ai été dévalisé des decks. C'est hallucinant, le deck vert. Hein? Non. Bah non. Il me reste combien? Ah, il me reste 3, putain. Ok, bon, je laisse tout ça là. C'est quoi ça? Il nous reste un. Non, je peux pas. On a ici. Ça, c'est quoi les decks bleus? Je peux en mettre un. Putain, vivement que j'ai une étagère. Faudrait que je prenne une étagère en vrai, franchement. Parce que là, ça fait quand même tiep. Hein. Est-ce que ça s'ouvre ça? Non, ça s'ouvre pas. Tout le reste ne s'ouvre pas. En fait, c'est que les boosters. Ok, j'arrive. 3. Purée. 36 balles quand même. Du Arcanin. Ah, je refais un peu les étals. Hein. C'est des petites cartes, mais bon, bah ça se grignote. Y a pas de petit profit, comme on dit. Ok. Qu'est-ce qu'on a de ce côté-là? Ça, c'est les decks verts. Ils sont partis si vite. Et ça, c'est les sleeves. On s'en fout. Alors, qu'est-ce qu'il nous a pris, lui? Oui! Eh ben, c'est parti, ça vit! Là, t'avais un beau budget, toi. Hein, hein mon salaud, hein, t'avais un beau budget, bien sûr. Hein. Il est tout fier. Allez, 307 balles pile. Est-ce que ça revient? Pardon, ouais. Va falloir qu'on aille faire le tour des étals parce que. J'ai l'impression qu'on est un peu victime de notre succès. Hein. Les boosters là qui partent très très vite. Ça part un peu moins vite la nouvelle série. Guys! Guys! It's time! It's time! Oh, sa carte bleue Pikachu! Oh là 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 là! Oh, quel bonheur! Oh, quel bonheur! Oh oui! Oh oui! Oh oui, le bonheur! Il nous a délivré! Délivré du mal, 3781 euros en une seule carte, ma gueule. Est-ce que c'est pas beau? Ça va? Bah, j'ai fini là, c'était ma dernière journée. J'ai été délivré sur la dernière journée. T'as mangé? Oui, mais je dormais là. Tu dormais? Tu dormais où? Sur le canapé? T'étais en mode... Vas-y, j'arrive. J'arrive, pour moi là, ça conclut bien cette journée. Ça conclut bien cette journée, les amis. Oh la simi, non, mais c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Vous savez quoi, on attend 19h. Et non, on s'ouvre quelques paquets hein, avant de quitter. Hein. D'accord, les gars, la team, ça va? Ouais, ouverture, mais bien sûr, ouverture. Oh, mais bah oui, bah il y a quand même des limites, il y a des limites. Hein. Factures sont payées, bien sûr que les factures sont payées. Regarde, les factures sont pas payées du tout. Là, les factures sont payées. Ça, c'est mort. C'est mort, pardon. Ok, il y en a un, je peux l'enlever. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Ça c'est de la sleeve. Ça c'est du verre, ok. Merci ma gueule. 19, je te rends ça. Ah non, là on a vraiment beaucoup de choses. Ouais, peluche, hein. On va faire l'inventaire de fin là. Je crois qu'on n'a plus rien en peluche. Putain, il nous a acheté. Oh là là, mais c'est beau, mais c'est magnifique! Mais les gars, on est régalés. On est régalés, vraiment, il faut le dire, là, on est régalés. On est en régalade suprême. On va faire le point. Alors, du bleu, je crois qu'on en avait encore 3. Maintenant, il nous en manque une. Ça, c'est de la sleeve, j'ai pas besoin. Ouais, super. Eh ben, hey, tu m'arranges.
Tu m'arranges bien comme il faut, toi, mon pote. Et toi ? J'arrive. Il m'en a pris 3, le frérot. Tiens. Tiens, cousin, tu peux y aller. Et ça bat son plein, les tournois ici, hein, c'est superbe. Bah, très très bien, très très bien. Ça, est-ce qu'on en a pris? Aïe aïe aïe, ça fonctionne plus, hein, j'ai l'impression, malheureusement. Je vais être obligé de faire ça. Et je vais être obligé de faire ça. Hein. Allez, 20 balles, on s'en branle. Profitez du September, mesdames et messieurs, tant qu'il y en a encore temps. Vu qu'on est le 30 septembre, ça se finit ce soir à minuit. Donc si vous voulez sub à votre streamer préféré, aka moi, parce qu'il n'y a pas en fait d'autres streamers préférés que moi, évidemment, sur la planète, eh bien n'hésitez surtout pas, hein, que ce soit un petit prime ou du tiers classique. N'hésitez surtout pas à faire des subs gift aussi, hein, puisque Twitch offre des subs. Hein. Tous les 5 subs, ils offrent un sub. Alors, ils ont le cœur sur la main, Twitch. Hein. Petite start-up, hein, je sais pas si vous connaissez Twitch. Hein. Pas trop de moyens. Ça puait la merde là, ce qu'on vient d'ouvrir. C'était Gazmer. Hop. Hop. Putain, ça fait plaisir là. Là, bonne journée. Hein. Ah, très très bonne journée, les petits potes. Est-ce que pour les puants full time, ok, super, faut se casser. Voilà, ciao. Super, c'était génial. Allez, on s'en va. 7500 balles. Allez, ceux qui s'en vont me font dernière course. C'est très cool. Allez, qu'est-ce que tu me prends? Ouais, des petites ETB avant de partir. Hein. 130, c'est 132 euros que je consomme avec grand plaisir. Eh bien, je te rends 6 euros. Et là, la meuf, elle nous prend quoi, elle? Eh ben super, merci ma gueule. Non, 4 euros. J'ai failli rien te rendre. Tu dégages. Tu dégages. On va faire l'inventaire. Oh, la journée à plus 7270. Mais quelle journée! Pour célébrer ça, je vous propose d'ouvrir étagère et du stockage avec toute cette thune plus table tournoi. On va déjà ouvrir un petit peu. Ça, faut qu'on achète. Hein. Déjà, faisons le petit point là. Ça, faut qu'on restock. Peluche, on est bien. Il va falloir qu'on restock. Restock ici aussi. Rack de merde, ça, on va enlever. On a besoin... Non, on a besoin des decks. Ça. On a besoin de ça à tout prix. On a besoin des displays. On a besoin des displays, évidemment. Ça, c'est bien. Peluche. On va en reprendre. Hein. Voilà. Ça, c'est très bien. Clac, clac, clac. Ça, pour l'instant... est-ce que j'ai vraiment envie d'en reprendre? Non, on verra au fur et à mesure. Il nous faut du point de fusion. Évidemment. Là, c'est des... on commence à écouler des stocks, mais ça commence à nous coûter un petit billet. Hein. Bah, c'est une commande à 1200 balles. Voilà, je tiens à le dire. Ça vivote. Alors, bon, ça, c'est pour nous. Ça, c'est plaisir. Plaisir perso. Plaisir perso de cette journée. On va restock et après, on va évidemment bien sauvegarder, hein, comme il faut. Parce que là, on a fait une session de Zinzinulardos. Voilà. Il va falloir qu'on achète des armoires à stock, là, qu'on mette quelque part. Attends, en vrai, on a 6000 balles, les frérots, Reno Grande, là. Reno Grande, on va déjà commencer à Reno Grande, ici. Voilà, Reno Grande, ce sera déjà pas mal. Allez. Reno Grande, aussi, un peu partout, le magasin A. Voilà. Et 3 Reno Grande. Vas-y, ma gueule. Voilà, comme ça, on y voit plus clair. On va tout pouvoir poser au fond. Voilà, Reno Grande. C'est moi le Reno Grande maintenant. Regardez-moi ça. Regardez comme c'est beau. Une installation méticuleuse. Hop. Voilà. Ici, on va le coller là. Oh là là, c'est beau. Ah, c'est les plus grands tournois Pokémon, hein, qui sont organisés dans cette salle. Hein. Faut mettre un peu de respect. Hein.
Ouais, du 400 balles. Est-ce que j'ai pas un peu abusé sur les... Non, je crois pas. Je crois pas avoir... Non, on n'est pas ouvert. Tu dégages. Non, j'ai pas du tout abusé, je suis vraiment le crack. Là, notre boutique, elle tourne du feu de Dieu. Voilà. Là, c'est très propre. Là. Très propre ce qu'on est en train de produire. Qu'est-ce qu'on a pris? Des peluches. Des peluches, c'est pour ici, c'est pour là. Il n'y a plus d'espace. Ici, il y a toujours de l'espace pour les peluches. Ah non? Ok, on a pris ça. Ok. Vous m'avez dit que je pouvais avoir des trucs de rangement. Ça, c'est quoi? C'est quoi les petits les rangements pour les rangements de, des stocks et tout? Je prends quoi? Parce que là, ça me paraît un peu overkill, non? Étagère personnelle, machin, bidule. Ouais, je mets au prix du marché et je monte plus 20%, moi, personnellement. C'est ça? faudrait qu'on fasse des tapis. Mais attendez, il nous reste plus que 2400 balles, hein, ça allait très vite. Hein. Étagère d'entrepôt à 1000 balles. À 1000 balles? Ah ouais. J'y achète, mais j'ai mal au cul hein, quand même. Hop. On souffre. Hein. Ah oui, ah, oh, c'est magnifique. Mais pourquoi on n'a pas acheté ça plus tôt? Oui, oh, c'est si sublime. Ah, c'est sublime. Qu'est-ce que c'est beau. Ah, oh, c'est magnifique. Mais fallait qu'on achète ça à day one. C'est incroyable. Ah, oh, cette sensation de... Cette sensation de bonheur. Ah, par contre, ça te prend les deux côtés, en fait. Ça te prend les deux côtés, mais... Ah oui, mais du coup... ok, j'ai compris. Tu mets ça... Et en fait, tu peux les avoir sur les deux côtés. Tu peux en mettre plusieurs, quoi. Ça, on va l'ouvrir. Est-ce qu'on a dehors? On a encore des trucs dehors ou pas? Oh, que oui. Et ça, ça se vend. De toute façon, on n'a jamais rien droppé sur ces merdes. Je vois qu'il y a des, déjà des puants qui sont dehors. On peut pas sauter. Voilà. Ok. J'ai oublié de l'ouvrir. Petite 32 balles. J'ai choisi le bon booster. Et le dernier carton, c'est du tempête argentée. Et tempête argentée, c'était parce que surtout, on n'en avait plus des masses. Et on va pas le... On va le poser. Non, faut que, ouais, voilà, faut que je vise là-haut, ok. Et donc, en gros... Oh, ça, en vrai, c'est... C'est plutôt banger. N'ayons pas peur des mots. C'est plutôt banger. Je vais plutôt, plutôt la mettre comme ça pour bien passer entre les deux. Voilà. C'est très bien. Ah, pourquoi il prend pas de solarier? Parce que je ne veux pas automatiser, effectivement. J'ai envie de jouer le RP à fond. C'est pour ça. Bah, les amis. Bonne ouverture à tous. Et on se finira sur ça. Allez! Est-ce que j'ai envie de crier une dernière fois l'air 8 ce soir? Après ce Nidoqueen, cette Nidoqueen qui nous a donné du bonheur. Si t'es un étudiant, il range dans l'étagère. Ah, tu peux, si on peut avoir un PNJ qui range dans les étagères, ouais, ça j'avoue, je dis pas non. Parce que pour le coup, ranger dans les étagères, bon, c'est un peu gaze. Allez, j'aimerais bien un gros ectoplasma là. Ectoplasma qui nous met bien. Écoute, calme-toi, Nidoqueen, on t'a déjà eu. J'ai l'impression qu'on peut y croire dans ces boosters-là. Choisis ce qu'il fait, je crois. Ah bah là, putain, ce serait magnifique. Je vais regarder pour la prochaine. Allez, carte à 3 balles. Rien du tout. Là, la valeur du booster, 5 euros. Autant vous dire que c'est une catastrophe. Catastrophe encore une fois.
On a deux cartons, les gars. Le mode Wankul bug où j'ai drop deux cartes à 9000 dans deux packs et en même temps chelou. Ouais, c'est bugué, c'est pour ça que on a hésité avant d'installer un mode, mais là c'est pas bugué sur Pokémon en tout cas. Mode Wankul, apparemment les taux de drop sont ont été modifiés, sont broken quoi. Là je peux vous dire que les taux de drop ont pas été modifiés. Sur le Pokémon c'est juste un skin hein. Ouais, pas droit au bonheur. Est-ce que d'ailleurs, c'est la fin du premier carton, est-ce que on laisse 32-26? Oui, on n'a pas besoin d'ouvrir plus. Allez, s'il te plaît. I beg you, man. J'ai envie de vibrer une dernière fois. Sur la boutique Alerte 8. Un beau ectoplasma, là. À la Kazam 28 balles, écoute. J'ai cru que j'allais devoir hurler, mais... Rien de mirobolant. Des cartes à quelques centimes. Aïe aïe aïe. Première boîte. Cette première boîte qui part directement à la poubelle. Voilà. Rien du tout. Rien du tout. D'ailleurs, c'est quoi les meilleures cartes que j'ai là pour l'instant? C'est 36 balles. Hein. Pas cadeau. Allez. 34 balles. Un petit Rapidash. Galopa. En tout cas, sachez que sur ce mode Pokémon, je sais pas si vous avez droppé de belles choses, mais pour l'instant, nous, on a eu du mal. Et heureusement, on a été délivré avec cette Nidoqueen. Partie à plus de 3000 balles. C'était journée parfaite, hein, on la drop, elle est vendue la même journée. Allez, envie d'y croire encore. Hein. Très très hâte de vendre des displays aussi de cette série. Étincelle déferlante. Hein. Mesdames et messieurs, Melodelph, 796 balles. Le Believe. Aïe, 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 mais quel bonheur, je suis si soulagé. Je suis soulagé. C'est une très belle fin. On finit avec une belle alerte 8. Oh, putain, mais gros, si les cartes écoutaient comme as, quand on ouvrait IRL, et ouais, cette carte vaut 700 balles, les gars. Ah, je vais bien dormir. Hein. Le rouge ne déçoit jamais. Retenez bien ça. Retenez bien ça. On a changé de couleur, c'est plus le orange qui déçoit jamais, hein. Très loin de là, hein. C'est le rouge. Le rouge ne déçoit jamais, alerte 8, Rafflesia Full Art, 60 balles. Oh là là là. Ah c'est sublime. Allez, peut-être un petit bonheur. Déjà 700 balles, on est très heureux. Hein. Avec ce Melodelph. Je vais pas faire l'américain. Je suis si raide. Je suis full raide. De toute façon, je crois que c'est le dernier booster. Il nous donne rien. Allez, on va devoir piocher. Et je crois qu'après ça, la boîte est vide, les gars. Je vais me mettre face à la boutique. Et on va y croire. On va essayer d'y croire, en tout cas. À cette carte qui peut nous faire... qui peut nous faire rêver. Pourquoi pas un petit ectoplasma, un petit Dracaufeu ou rien du tout. Pour l'instant, c'est aucun hit. Pour l'instant, c'est alerte clim. Aïe, 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 aïe. Ah non, mais on va pas faire une foule d'affilée sans hit. Sans aucun hit. Aucun hit. La vie de ma mère que je pars pas sur pas un hit. Merci. Voilà, je voulais juste la petite musique de fin au cas où... Attendez, mais c'est abusé par contre, je peux pas laisser le comptoir à 25 quoi. Non, je peux pas laisser. Ça c'est ce qui était au présentoir, les amis, ça c'est pour la boutique ça. Non mais c'est pas une drogue, je peux m'arrêter quand je veux, bah évidemment les gars. Ça a rien à voir. Hein. Un petit bruit quand même, il va rester dans ma tête. Hein. Non, on s'arrête là, allez, on s'arrête là, ça suffit. Ça stop ici. Non, plus de carton les gars, on va garder notre budget. Ça stoppe là. Après j'aime pas finir sur du impair.
Moi, je préfère qu'on fasse 24-24. Voilà. Petite last. Oh, le Draco... Putain, en fait, le truc, c'est que Dracofeu, nous, dans la réalité, c'est tellement insane que là, j'étais prêt à hurler pour le Drac. Mais vaut 10 balles. Pas la réalité. Pas la réalité. Bon. Bah, écoutez, on va arrêter là. Hein. On va arrêter là. Ça suffit, non? Ça suffit, les amis. On a bien mangé. On a bien mangé. On va juste... voilà. On a quand même récupéré ça. Ça. On a des belles cartes. Hop. Ma main est pleine. Mais bien sûr, ma main est pleine. Ma main est pleine de doigts. Hop, voilà. Hop. Eh ben, c'est super. Regardez-moi ça. Tac. J'arrondis. 964. Oh là là, si on la vend la prochaine journée, putain, parce qu'on se met bien. À la vente à 3000 balles, les gars, c'est quelque chose. Hein. Comment ça te change la game, en vrai. N'ayons pas peur de le dire. Hein. Vous avez eu tout ce qu'on a acheté. On a notre petite armoire ici, on a notre stock. On est très bien. On est bien Géchard sous le maillot, comme on dit. Si j'ai besoin, je peux remettre en place. Là, on est prêt. Ils attendent, hein, les puants, là. Ils attendent tous dehors. Mais on va sauvegarder ici. Sauvegardons le jeu. Je sauvegarde ici. Au cas où. Voilà. Et je quitte. C'est pas une drogue. Je peux m'arrêter quand je veux, d'accord? Il est 22h23. Stop. D'accord? Les gars, dites-moi qu'on voulait qu'on rejoue au jeu. En vérité, demain, on va tester un petit jeu qui s'appelle Suck Up. Mais c'est un petit jeu, donc ça va pas durer 15 ans. C'est fort probable que demain, on reparte dans une petite boucle. Peut-être que mercredi aussi. Bref, peut-être que c'est une semaine de la boucle. Je ne sais pas. Mais je m'arrête là. On va peut-être rejouer demain. Suck Up, les gars. Demain, 17h, comme d'habitude. Hein, je lance le live aux alentours de 17h, entre 17h et 17h30. Soyez là pour Suck Up. Le jeu est très, très stylé. C'est un jeu où on est un vampire et on doit se faire inviter chez les gens pour les sucer littéralement, mais ça fonctionne avec de l'IA, donc en gros je parle avec mon micro, ça retranscrit tout ce que je dis avec le micro et c'est de l'impro et ça a l'air très très gaulerie, donc on va voir, ça va être assez marrant. C'est un jeu qui coûte 10 balles aussi. Ouais, c'est un jeu qui fonctionne avec l'IA, donc je trouve ça trop cool, belle utilisation de l'IA pour le coup. Donc voilà, n'hésitez pas à checker toutes les commandes comme d'habitude, que ce soit Oli, que ce soit Holskern également. On en reparlera cette semaine de Holskern, les frérots. Je sais que vous avez été quelques-uns à faire des commandes aussi avec le code Jiraya, hein, qui vous donne réduction de 10% sur la boutique Holskern. Ça régale, le vinyle et tutti quanti. Des bisous tout le monde, passez une agréable soirée, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Ciao ciao. Ciao, à demain. Et ne vous droguez pas trop aux cartes là, hein. Je vous vois.